N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Lancée en 2016 en pleine campagne présidentielle avec le soutien de personnalités politiques telles que Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, l'émission « Une ambition intime » fera son retour prochainement sur M6. La première saison avait attiré en moyenne 3,1 millions de téléspectateurs. L'émission, animée par Karine Lemarchand, explorait les domiciles de personnalités politiques en vue comme Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et Marine Le Pen. La présence de cette dernière avait suscité la controverse en raison des accusations de complaisance entre l'animatrice de « L'amour est dans le pré » et le leader d'un parti d'extrême droite. Malgré les critiques initiales, le programme a connu un succès qui a conduit à la production de 7 saisons. Après une tentative infructueuse avec des comédiens et humoristes tels que Michel Larocque et Gad Elmaleh, M6 avait finalement choisi de revenir à la formule originale avec des personnalités politiques. Lors de la saison précédente, des invités tels qu'Anne Hidalgo, Rachida Dati, Valérie Pécresse et à nouvelle Marine Le Pen avaient participé. Aujourd'hui, 2 ans après la dernière saison, Karine Lemarchand annonce le retour imminent de nouvelles émissions sur M6, mettant en vedette 4 personnalités politiques dont la notoriété a grandi ces dernières années et qui représentent une possible relève aux plus hautes fonctions de l'État. Il s'agit du ministre de l'Intérieur actuel, Gérald Darmanin, des députés Sandrine Rousseau et Fabien Roussel, ainsi que du responsable du Rassemblement national, Jordan Bardella. Aux côtés de l'animatrice, ils partageront leur parcours, leur vraie personnalité et leur ambition intime. La diffusion est prévue dans quelques mois, suscitant déjà des préoccupations quant à une éventuelle normalisation de l'extrême droite dans les médias, avec le risque de nouvelles critiques à venir.